Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un unboxing exceptionnel puisque monsieur Fender France est arrivé avec pas un, pas deux, mais bien trois cartons qu'on va unboxer ensemble. Robin Dessert, comment est-ce que c'est ça moi. Va déjà? Eh ben, ça va très très bien, merci beaucoup, salut à tous. Ouais. Quoi de neuf depuis le NAM où tu m'avais emmené visiter la superbe usine Corona? Ouais, bah écoute, retour au bercail, hein, comme ouais. On dit, et puis reprise des tournées sur Paris principalement pour voilà, s'assurer que les nouveautés soient bien arrivées à bon port en France, ouais. Les custom shops, etc. Et puis les nouveautés là que notamment on va dévoiler aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi ta fonction chez Fender en France? Je suis, on va dire, pour simplifier, commercial, responsable des ventes pour la partie parisienne. D'accord. Voilà. Tu couvres quoi comme région du coup? Alors Paris, banlieue. Je suis en charge aussi des, on va dire, des grands comptes, donc pour la partie de la France entière en fait. Donc les grosses chaînes, c'est ça? Voilà, donc Star Music, il y a aussi le groupe Royer, voilà. Et puis d'accord. Là, j'ai récupéré aussi la partie belge, la partie française belge. Ok. La partie française belge, on aurait annexé la partie Belgique. La partie francophone alors belge, pardon. C'est un scoop, vous l'auriez entendu ici en premier. Non, la partie francophone belge, donc voilà, avec quelques clients que j'ai hâte de découvrir parce que je connais pas encore. Ouais. Et ce sera les derniers clients compte Fender francophone que j'aurais pas vu. D'accord. Puisque par le passé, j'étais aussi en charge d'autres secteurs en France et donc j'ai vu quasiment l'intégralité des magasins, en tout cas de ceux qui bossent avec Fender en France. D'accord. Voilà. T'es dédié 100% en Fender ou t'es multicarte, tu couvres aussi d'autres marques? Non, je fais Fender uniquement. On a une autre partie, il y a deux boîtes en fait. Ouais. Et qui s'occupe après des parties que Fender, dont Fender possède la distribution, donc Gretsch, VH, Charvel, Jackson. Ouais. Ça, tu fais pas? Non, je ne fais pas. D'accord. Voilà, c'est mon collègue Jean-Marc qui s'occupe de toute la France, il est tout seul, le pauvre. D'accord. Bon courage à toi, Jean-Marc. Ok. Bon, très bien. Donc, trois cartons, par quoi est-ce qu'on commence? Bah écoute, le premier qui est devant nous, c'est la Player Lead Series 3 en Metallic Purple. D'accord. Voilà, bon là, c'est un carton. Hein. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'il est true bypass, le carton? Il est massif. Ouais. Alors, comme vous pouvez voir, on fait ça sans répétition. On n'a pas fait semblant d'ouvrir les cartons. On ne fait pas semblant de les rouvrir. Là, ça permet de sortir un peu du cadre. Au moins, c'est toi qui auras cassé les cartons. Hein. C'est pas moi. Hein, donc, c'est pas... Alors, allons-y. Donc, le premier truc. Ouais. Hop, ça y est, plus rien après. Hop, on va mettre ça de côté. Très bien. Ça, c'est hyper sexy en fait. Hein. Il faut dire que moi, je suis un fan depuis toujours des guitares lead. Tiens, ça doit dater de l'époque où les. C'est parce que les lead originales, c'était quoi les... Alors en fait, la série lead, elle est distribuée originalement entre 79 et 83. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder aux vidéos intégrales.